Bonjour Thibault, bonjour Antoine. Alors aujourd'hui je vais vous lire une belle histoire, moi que j'aime beaucoup. Je ne pense pas vous l'avoir déjà lue, elle s'appelle Pourquoi la mer est salée? C'est une histoire de Robert Giraud et les dessins ont été faits par une dame qui s'appelle Hélène Muller. Dans un village, au bord de la mer, vivaient deux frères, Tijano et Grosjean. Tous deux étaient pêcheurs. Mais le premier était aussi pauvre et maigre que l'autre était riche et dodu. La famille de Tijano ne mangeait pas souvent à sa faim. Et vint les jours où il ne lui resta plus rien. Accablés, les parents virent leurs enfants finir le dernier morceau de pain dans la maison froide. Dehors, il neigeait et ils n'avaient pas de bois pour se chauffer. Tijano, le pauvre, ne sachant plus que faire, alla chercher de l'aide auprès de son frère. Chez Grosjean, la table était couverte de victuailles. Un bon feu ronflait dans la cheminée. Tijano demanda: Peux-tu me donner quelques provisions et un peu de bois pour le feu? Mes enfants meurent de faim et de froid. Mais Grosjean a le cœur dur comme la pierre. Et lança à son frère d'un ton méprisant: Tu n'avais qu'à travailler davantage, feignant! Puis il se tourna vers un serviteur et lui commanda: Va chercher l'un des sabots du bœuf que nous avons abattu hier. Il le donna à son frère en lui disant avec méchanceté: Tiens, voilà pour toi et va au diable avec ça. Tijano repartit désespéré. Oh, je ne peux pas rentrer à la maison ainsi, se dit-il. Ce n'est pas avec ce sabot de bœuf que je nourrirai mes enfants. Mon frère a raison, je n'ai plus qu'à aller au diable. Si seulement je savais où le trouver. Il prit un chemin au hasard et se retrouva bientôt dans l'immense forêt. Au bout d'un moment, il entendit le bruit des haches qui s'abattaient sur le bois, et il trouva trois bûcherons au travail. Tijano dit au bûcheron: Braves gens! Ne pourriez-vous m'indiquer le chemin qui mène chez le diable? Le plus âgé lui répondit: Bien sûr que nous le pouvons. Nous sommes justement au service du diable. Mais d'abord, dis-moi ce que tu lui veux. Lui porter ce sabot de bœuf, répondit Tijano. C'est une très bonne idée. Le diable raffole des sabots de bœuf, car il aiguise dessus ses longues dents pointues. Il t'offrira sûrement un beau cadeau en remerciement. Par exemple, une bourse ou une poignée de pièces d'or. À ces mots, les yeux du pauvre pêcheur brillèrent. Il n'avait jamais possédé plus de quelques sous.
Mais le bûcheron poursuivit. Seulement, écoute mon conseil. Refuse l'argent et l'or. N'accepte que le moulin accroché au-dessus de sa cheminée. Et n'oublie pas de demander au diable la façon de s'en servir. Marche tout droit sans t'arrêter, ni te retourner, tu seras vite chez lui. Tijano marcha donc droit devant lui et aperçut enfin une vilaine cahute toute noire. Il se tint devant la porte, sonna, entra et se trouva face au diable. Que viens-tu faire ici, pauvre homme? Demanda aussitôt celui-ci. Ne sais-tu pas que je suis le diable? Je vous apporte un cadeau, dit Tijano, qui n'en menait pas large. Je vous apporte le sabot d'un bœuf. Toi, au moins tu es courageux. Beaucoup me promettent des cadeaux, mais aucun n'ose s'approcher de ma maison. Le diable attrapa le sabot, y planta ses dents pointues, et en une seconde, le réduisit en fine poussière. Le diable dit à Tijano d'un ton aimable. Tu m'as fait grand plaisir, l'ami. Aussi, vais-je-moi aussi te faire un cadeau royal. Tiens, prends cette bourse d'argent. Je n'ai pas la bourse. Ah, tiens, prends cette bourse d'argent. Voilà. Tijano dut faire un gros effort pour dire. Non, messire, je ne veux pas d'argent. Le diable s'étonna. Mais il faut bien que je te paie pour le cadeau que tu m'as apporté. Allons, prends ce sac rempli de pièces d'or. Avec lui, tu pourras t'acheter tout ce que tu voudras. Non, non, insista Tijano, je ne veux pas d'or non plus. Alors, reprit le diable, dis-moi ce que tu veux. Tijano tendit le bras vers la cheminée. Je voudrais le moulin qui est accroché là. D'accord, fit le diable. Mais écoute-moi bien. Ce n'est pas un moulin ordinaire. Pour le faire marcher, il te suffit de lui ordonner « Moulin, au travail, moue-moi ceci, moue-moi cela, et vite !» Et quand tu auras ce que tu désires, tu lui diras « Moulin, suffit, repose-toi. Maintenant, prends-le et va-t'en. » Tijano s'en retourna le moulin sous le bras, mais il n'avait pas confiance dans la parole du diable ni dans celle du bûcheron.
peut-être avait-il eu tort de refuser l'or et l'argent. Et dès qu'il fut arrivé dans une clairière, il posa le moulin sur le sol et lui dit « Moulin, au travail, moue-moi un bon feu et vite !» Et aussitôt du feu jaillit. Tijano ajouta « Moulin, suffit, repose-toi !» Il se frotta les mains au-dessus de belles flammes, puis il ordonna « Moulin, au travail, moue-moi de l'eau et vite !» Le moulin projeta un jet d'eau sur le feu qui s'éteignit. Tijano arrêta l'eau en prononçant « Moulin, suffit, repose-toi !» Et rassuré, il se remit en route sans traîner. Comme il approchait de sa maison, ses enfants se précipitèrent vers lui, suivis par sa femme. « Alors, le père, te voilà enfin. As-tu trouvé de quoi nous nourrir et nous chauffer ?» lui demanda-t-elle. Tijano lui montra alors le moulin et sa femme se mit à pleurer. « Oh, mon Dieu! Qu'allons-nous faire avec cet ustensile ? C'est à manger qu'il nous faut du bois pour le feu. Maintenant, c'est sûr, nous allons mourir de faim et de froid et nos pauvres enfants avec nous. » Tijano pénétra dans sa maison et sans consoler sa femme qui pleurait toujours, il sourit et dit au moulin « Moulin, au travail, émoue-moi un bon chat, un bon animal et vite !» La cheminée se remplit de belles bûches, d'un beau chat qui aussitôt ronronna. Voilà. Avec des beaux yeux bleus et qui louche. Tijano prononça alors « Moulin, suffit, repose-toi. » Et le chat alla se coucher. Voilà. Hop. Il continua. Il dit au moulin « Moulin, au travail, moue-moi un bon feu dans la cheminée et vite !» La cheminée se remplit de belles bûches qui s'enflammèrent aussitôt. Tijano prononça alors « Moulin, suffit, repose-toi !» Et les bûches cessèrent de tomber. Puis Tijano dit « Moulin, au travail, moue-moi de la nourriture et vite !» Des miches de pain, de la farine, du sucre, des chapelets de saucisses, des pichets de lait, des tourtes, des gâteaux au chocolat, des fruits couvrirent la table, qui bientôt fut trop petite. La femme de Tijano ramassa ce qui tombait et le rangea dans la garde-manger. Avec toutes ces provisions, ils avaient de quoi manger pour longtemps. Tijano dit alors « Moulin, suffit, repose-toi. » Les enfants dansèrent la sarabande autour de la nourriture, puis tous se mirent à table. Le lendemain matin, Gros-Jean, en partant à la pêche, passa devant la maison de son frère d'où provenaient des cris joyeux. « Mais comment peuvent-ils être aussi gais ? » se demanda-t-il. « Eux qui n'ont rien à manger. » Il entra pour en avoir le cœur net et s'arrêta stupéfait de voir autant de bonnes choses sur la table. Tijano, sans rancune, l'invita à s'asseoir avec lui et lui raconta son histoire. Gros-Jean voulut aussitôt avoir le moulin. « Prête-moi ce moulin !» dit-il à Tijano. « Sans moi, tu n'aurais jamais été chez le diable et tu ne l'aurais pas eu. C'est grâce à moi que tu es nourri et chauffé aujourd'hui. » Tijano, qui n'était pas contrariant, lui tendit l'ustensile. Gros-Jean lui demanda « Bon alors, maintenant, explique-moi comment on s'en sert. » Pour le mettre en route, commença Tijano, tu dis simplement « Moulin au travail, moue-moi ceci, moue-moi cela et vite, et… » Mais Gros-Jean était si pressé d'essayer le moulin qu'il partit sans écouter
comment on l'arrêtait. Arrivé à son bateau de pêche, Grosjean installa le moulin à l'avant et mit le cap au large. Et dès qu'il fut en pleine mer, il jeta ses filets et remonta aussitôt une énorme quantité de poissons. « Bon, je vais saler tous ces poissons, se dit-il, comme ça ils se conserveront mieux. » Il prit le moulin et dit « Moulin, au travail, moue-moi du sel, beaucoup de sel et vite !» Le moulin, docile, se mit à débiter du sel. Les petits grains brillants remplirent le fond du bateau, puis recouvrirent les poissons. Grosjean se frottait les mains. Tout content à l'idée de l'argent qu'il allait gagner en vendant tous ses poissons bien salés. Le moulin continuait toujours à moudre, et les poissons disparaissaient sous une montagne de sel. Mais le bateau s'alourdissait dangereusement. « Ça suffit, » se dit Grosjean, « je vais arrêter le moulin. » Et c'est alors qu'il s'aperçut qu'il ne savait pas comment faire. Il avait beau crier « Moulin, arrête-toi! Moulin, ça suffit! Moulin, c'est assez !» Le tas de sel montait toujours plus haut. La coque s'enfonçait de plus en plus dans l'eau. Grosjean jeta par-dessus bord tout ce qu'il put pour alléger le bateau. Mais il n'allait pas assez vite. Et bientôt, la mer recouvrit le pont et le bateau sombra au fond de l'eau. Grosjean se retrouva seul sur l'océan. Il ne lui restait plus qu'à rentrer à la nage pour avoir voulu gagner trop. Eh bien, il se retrouvait sans poisson et sans bateau. Et le moulin alors? Eh bien, le moulin tombé à l'eau continua à moudre son sel. Celui-ci se répandit dans la mer, et c'est ainsi que la mer est devenue salée. Voilà, eh bien, Thibaut et Antoine, il est grand temps d'aller vous coucher. Vous faites un gros, gros bisou à votre gentil papa, et je vous souhaite une belle nuit. Au revoir, à bientôt.